Donc nous sommes ici sur le plateau de Kin Culture. Effectivement. Et nous voyons qu'il est en train de se métamorphoser petit à petit. Oui. Avez-vous quelque chose à nous dire un peu plus par rapport à cela? Comme je le dis, il y a le bureau est en train de se constituer. Nous sommes en train de mettre en place déjà un travail, nous sommes en train de mettre la logistique du travail, ce que je voulais dire, c'est que Kin Culture se veut vraiment être aujourd'hui et demain une plateforme qui devra vraiment représenter comme telle les intérêts culturels congolais partout dans le monde. Bien sûr, nous sommes ici à Washington DC, mais nous voulons vraiment étendre notre action un peu plus dans toute l'Afrique. Et bien sûr, dans le monde. Nous avons des partenaires en France, nous avons des partenaires en Angleterre, nous avons des partenaires en Belgique. Et bien sûr, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, même au niveau de Kyoto, du Japon et de Tokyo. Donc, voyez-vous que nous avons l'Asie, nous avons l'Afrique, nous avons l'Europe, et là, nous sommes en Amérique. C'est pour dire que les Congolais sont partout. Aujourd'hui, Kin Culture veut, à travers ces programmes, présenter d'abord ce qui existe, booster ceux qui ont une qualité de travail hors du commun, et surtout ceux qui ont des éléments dans le social media, parce que c'est ça notre produit phare de Kin Culture, c'est dans le web marketing, ceux qui ont justement des produits à présenter sur le web, nous sommes là justement pour pouvoir travailler avec tout le monde. D'accord. Alors, Kin Culture existe depuis combien de temps déjà? Kin Culture, c'est à peu près, en soit, ça doit faire plus de 7 ans. Plus de 7 ans qu'officiellement nous avions lancé avec M. Kamal Fati. À l'époque, nous travaillions à Mediades Design. Nous avions lancé Kin Culture, les trottoirs de Kinshasa. C'était un programme qui était pour promotionner nos artistes sur les écrans publicitaires de Kinshasa, qui se présentaient justement vers Kinmat, à Solidaire Transfert, dans le groupe Sol Media, parce que nous faisions partie du groupe Sol Media. Et nous voulions justement, à travers la publicité, qu'il y ait une visibilité des artistes qui ne sont peut-être pas connus, qui n'ont pas assez de moyens. Et nous devions faire un espace gratuit, justement, sur le boulevard du 30 juin de Kinshasa, et plusieurs espaces aussi. Et à cela, nous avons aussi développé aussi une thématique web, parce que c'était plutôt street. Et c'est ainsi que Kin Culture en soit, dans le terme de visibilité publicitaire, avait été lancée. Mais Kin Culture en soit a toujours existé depuis des longueurs d'années, parce que Eric Yaone étant lui-même un artiste de l'Académie de Beaux-Arts, ayant travaillé depuis plusieurs années avec plusieurs grands et éminents professeurs, entre autres le maître Mwenze Mongolo, le maître Rudy Pilem,
J'étais souvent avec notre professeur qui est parti, le professeur Roger Botembe, et bien sûr notre directeur, directeur de l'Académie de Beaux-Arts, le feu maître Liolo. Nous avons travaillé avec à peu près tous les grands, travaillé peut-être et à côté. Et je pense qu'il était question de pouvoir aussi créer une plateforme qui peut vraiment essayer d'être une lumière pour cet art congolais qui, par moment, n'est pas toujours aussi bien exprimé. D'accord. Avez-vous l'ambition de rencontrer les autorités culturelles ici aux États-Unis et notamment en RDC, bien sûr? Oui, je crois que déjà nous avons eu à travailler avec le festival panafricain qui est le PanaFest, qui est un très grand festival qui regroupe pas mal des artistes africains et dans le monde. Et c'est déjà des opérateurs culturels qui sont très crédibles, qui existent déjà ici aux États-Unis depuis des longueurs d'années. Et participer dans des grands festivals, c'est justement le moment de pouvoir mieux présenter, mieux rencontrer dans les business-to-business culturels que nous sommes en train d'essayer d'élargir. Et bien sûr, dans plusieurs autres activités que les États-Unis offrent, nous avons été dans Purple Gala, qui était à deux pas de la Maison Blanche. Et nous avons été dans plusieurs activités, comme entre autres The Men Impact Change, notre sœur Sonine Jiao, qui m'a justement aujourd'hui nommé en tant qu'ambassadeur de cette plateforme où nous rencontrons beaucoup de hommes d'affaires noirs, entre autres les Black Caucus et plusieurs autres personnalités qui, par le monde, viennent se rencontrer une fois par an vers le mois de novembre pour justement présenter les meilleurs de ceux qui se sont démarqués. Dans le continent africain, dans le continent européen, mais les noirs, les personnalités hommes, pas des femmes, c'est plus les Men Impact Change. Et justement, Eric Yaoun et votre frère est passé ambassadeur digital de cette activité. C'est déjà une grande première, je suis le seul Congolais dans cette activité et c'est justement pour cela que nous voulons être votre ambassadeur. C'est une fierté pour nous d'avoir un représentant congolais dans ce type d'activité. Et c'est le moment ou jamais d'emmener aussi vos produits, vos services, parce que la visibilité est offerte à tout le monde. Alors, nous arrivons à la fin de notre essai. Bon, merci. Nous espérons de tout cœur que votre projet et votre plateforme va prendre de l'envol afin de donner plus de lumière et d'éclairer le monde de par la culture congolaise. Et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais juste dire pour le mot de la fin qu'on appelle à toutes les personnes qui sont désireux de vouloir nous contacter sur... nous avons notre adresse email qui est info@kilculture.net. Et nous avons votre website qui est en train d'être finalisé en conséquence, c'est www.kinculture.net. Ou bien, contactez-nous dans notre numéro de Kinshasa, +243 81 630 10 40. Et aux États-Unis, +202 819 99 40. En tout cas, soyez tous connectés sur notre page Facebook Kinculture et toutes nos pages de social media. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, monsieur.